Il a quitté l'école très tôt pour vivre son rêve, devenir DJ. Et à force de persévérance, Tony Menger vient de sortir à 21 ans un premier album avec Universal Music. Il est l'invité de l'instantané. Bonjour Tom. Bonjour. Alias Tommy Menger, né à Albertville, vous avez grandi à Champagny en Vanoise avec très vite une idée fixe, devenir DJ. Vous aviez 13 ans quand vous avez pris cette décision. Quel a été le déclic? Racontez-nous. De base, je faisais beaucoup de sport. Et en fait, quand je faisais mes sessions de sport, au bout de 3-4 minutes, la durée moyenne d'une musique, ça se coupait. Et je voulais avoir quelque chose de 1 heure. Et un jour, je tombe vraiment par hasard sur un concert d'un DJ. Et en fait, je commence à l'écouter pour savoir si ça allait me plaire. Et en fait, j'ai pas fait ma session de sport, j'ai juste regardé. Je me suis dit, au bout d'une heure de set, c'est absolument ça que je veux faire. C'est parti de là, vraiment une fois, comme ça, d'un seul coup. Première prestation à 14 ans avec votre mère, assise en bas de la scène, vous avez ressenti quoi? Ça a été vraiment le déclic de me dire, mais en fait, c'est ma vie, ça va être ça. Vraiment, je me suis dit, j'étais tellement bien, je me sentais juste en paix avec moi-même. Je me disais, c'était vraiment ça que je veux faire et transmettre ça aux gens maintenant. Vous avez remplacé quelqu'un au pied levé en station, c'est ça? Exactement. Et très vite, vous quittez l'école pour apprendre ce métier, jouer, mais aussi produire votre musique. Pour cela, vous partez à Lyon. Exactement. Ça demande de passer devant un tribunal. C'est ça, parce qu'en fait, pour arrêter l'école, comme j'avais que 15 ans, il fallait que je fasse une ordonnance d'émancipation et rester sous tutelle de l'école. Donc j'ai arrêté à 15 ans, je suis allé avec mes parents au tribunal, et donc on l'a eu. Et jusqu'à ce que j'ai 16 ans, du coup, il fallait que je travaille. J'ai travaillé en restauration pour me faire un peu d'argent chez un ami qui était plombier. Et chez un autre ami qui était électricien. C'est comme ça que je me suis fait mes premiers sous pour acheter mes premières platines. Vous partez aussi donc à l'étranger pour apprendre l'anglais, c'est important quand on veut faire ce métier? Exactement, voilà. À ce moment-là, j'avais 16 ans et je me suis dit, il faut que j'apprenne l'anglais. Donc je pars en Écosse, faire un travail que j'aimais pas, pas spécialement, mais je me dis, voilà, on le fait, je sais pourquoi j'allais le faire. Tout est au service de votre projet professionnel? Exactement, en finalité, complètement. Vos efforts sont récompensés puisqu'en 2018, vous sortez un premier single sur les plateformes, Let's Dream Together, qui cumule 2 millions d'écoutes. On va l'entendre. Vous avez mis quoi dans ce premier titre? Expliquez-nous, qu'est-ce qui caractérise votre style? C'était toutes mes premières influences en fait, que j'ai eues, tous les DJ la vague hollandaise, qui avaient vraiment apporté ce côté planant avec des mélodies vraiment planantes, mais un côté aussi dynamique, qu'on appelle maintenant la progressive house. Et je me dis, c'est absolument ça que je veux faire. Maintenant, j'ai un peu dérivé, je suis dans un autre style, mais au tout début, c'est ce qui m'a fait tomber dans la musique, ce style-là. Les voix, on les trouve comment? Les voix, ça peut, il n'y a pas de règles. Ça a été un peu de tout. C'est soit il y a une plateforme sur Internet, maintenant, on peut mettre ce qu'on recherche, et donc on rentre en contact avec des artistes, soit du contact, soit on demande à d'autres amis. Enfin, il n'y a pas de règles spéciales, on va dire. Il y aura ensuite Fever, puis cette année, tout récemment, un premier album, Into the Unknown, signé chez Universal Music. Grande étape pour vous, là vous passez un cap. Vraiment, je l'ai senti cet automne quand on l'a passé, que je me dis maintenant voilà, c'est accepté par les grands, on va dire, en étant modeste quand je dis ça. Et c'est vrai que du coup ce projet, c'était, j'ai voulu mener vraiment du début jusqu'à la fin la direction artistique. C'est pour ça que je voulais que ce soit moi qui fasse ma propre cover d'album. Je voulais vraiment tout choisir moi, et que c'est soit on acceptait mon projet entier, soit rien. C'était pas une musique ou deux, c'était vraiment tout ou rien. Et puis voilà, maintenant il est sorti, puis j'ai pu garder l'âme que j'avais voulu mettre derrière, en fait. Ça démarre plutôt bien? Pour l'instant, oui. Je touche du bois là où il y en a, comme on dit, et puis j'espère que ce sera encore plus grand plus tard. Ça passe sur les radios déjà ou pas? Sur les radios, ça commence à rentrer, parce que l'EP vient de sortir, la fin de l'EP vient de sortir, et puis on attend des gros retours même de l'album. Exactement. Et vous continuez aussi à vous produire, hein. Vous n'avez pas eu trop de mal à passer le cap du Covid. Certains ont abandonné pendant cette période, beaucoup même. C'est vrai que ça a été une période pour nous, les artistes, qui a été compliquée. Ça a vraiment trié. Et puis moi, j'ai fait beaucoup de studios à ce moment-là, j'ai fait d'autres choses aussi, j'ai essayé d'être plus présent sur les réseaux sociaux, et j'ai la chance, après les 2 ans de Covid, pouvoir encore vivre de ça. Dans ce métier-là, quel est pour vous le rêve absolu, la carrière qui vous fait La finalité, c'est qu'un jour, on parle plus de Guetta, mais de Menger dans le monde des DJ. C'était un peu en étant modeste terme quand je dis ça, mais c'est voilà, avoir une carrière comme lui, aussi longue, parce qu'il a 56 ans, il est encore présent, et que pouvoir faire le tour du monde, pouvoir transmettre la musique, pouvoir faire les plus grands festivals du monde entier. Il y a beaucoup de concurrence.
Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Le Covid, comme j'ai dit, ça a un petit peu trié, mais ça reste encore gros, sachant qu'on peut tous faire ça dans notre chambre, ouais. Et puis mettre sur les réseaux et qu'un jour une vidéo pète et qu'en fait on se lance là-dedans. Il n'y a pas de... Donc la concurrence, elle est large, très large. Les gens commencent très très jeunes, il y a 17 ans, certains vont cartonner comme ça. Exactement, surtout mon idole qui avait percé à 17 ans. Moi, je me dis qu'il fallait que ce soit comme lui, qu'il fallait que j'ai percé à 20 ans. Sinon, j'arrêtais. En fait, bon, j'ai continué, mais c'était un peu mon premier objectif, on va dire. 2023, c'est pour vous l'année des tournées, c'est ça ? Exactement, première date à l'étranger. On part, on a le Mexique et on a le Canada. Et on aimerait bien se produire en Indonésie à partir de cet automne. Et puis après, même d'autres dates, j'espère, au maximum. Vous produirez dans des grands festivals ? Pas spécialement des festivals, c'est plus des clubs ou des grosses, des beach clubs, les plages sur les plages privées, les choses comme ça. Après, les festivals, j'aimerais faire mes premiers cette année, les gros festivals, et puis après, à voir ce qui se passe. Vous remettre aussi à écrire, à produire ? Exactement. J'ai déjà... en fait, l'album qu'on a sorti, on a déjà l'album remix qui est quasiment fini. Et après, on a déjà les musiques de DR qui sont prêtes pour la suite. Qu'est-ce qui vous inspire en ce moment ? Vous me disiez que votre style a évolué. Complètement. C'est vers d'autres vagues, avec les voyages, beaucoup aussi. De découvrir des gens, travailler avec d'autres personnes. De plus en plus, je travaille avec des musiciens en live pour avoir des guitares, parce que j'adore pour apporter le côté guitare électrique dans mes musiques. Une multitude de choses qui ont fait qu'au fur et à mesure, en fait, j'évolue dans un style qui est... Je garde une ligne directrice, mais avec des variations sur les influences, et qui fait que du coup, chaque musique ne va pas être la même. Enfin, l'espère. Musicalement, vous écoutez plein de choses très diverses. Hyper large. Ça peut être du classique, comme après de l'électro, comme après de la pop, comme après des années 80. Et c'est, pour moi, je trouve que c'est une force de pouvoir écouter tout et rien, en quelque sorte, pour avoir une diversité qui est beaucoup plus large pour la production. Bien, merci Tommy d'être venu nous merci voir. On vous souhaite beaucoup de réussite. Place maintenant à vos programmes habituels sur France 3 Alpes. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'Instantané.